Et bonjour à tous les amis, c'est Eli, on se retrouve pour la suite de cette aventure sur Pokémon Dark Rising Worlds Collide. Et aujourd'hui, donc la 11ème partie, la 11ème. Aujourd'hui on se dirige vers ce bateau fantôme, on nous a demandé notre aide, ainsi qu'à la team Dark Rising, parce que, je sais pas, les gens iraient jamais plus de 5 minutes sur ce bateau. Enfin, il y a des choses bizarres qui ont été dites sur ce bateau, et on nous avait dit de nous mettre au niveau... Non, c'est pas sérieux. Nous mettre au niveau 55-60. Donc, j'ai fait pas mal d'entraînements. Ils sont pas tous entre 55 et 60. Il y en a peut-être un entre 55 et 60. Mais sinon, il y en a 4 plus de 50. Et vous voyez déjà, E2 plus de 50. Il y a Ninjamon. Il a évolué d'ailleurs. Je vous montre ça juste après. Qui a évolué. Tiens, lui doit être glace. Et toi, tiens, comme ça. Donc, j'espère que ce sera suffisant quand même. Je me dis, je suis un peu fort quand même. Je suis même plus que fort. Donc, bref, je me calme. Non, en vrai, je suis pas mauvais. Je pense que je peux me débrouiller, même s'il y a des moments où j'ai galéré alors que j'avais le même... mince, ça attaque les deux. Alors que j'avais le même niveau, des fois j'ai galéré. Écoutez, on verra. On verra bien. Et pourquoi j'ai pas saisi. Pourquoi il a fait... Je croyais que ça faisait sur les deux, mais en fait pas du tout, ça faisait pas du tout sur les deux. Attends, j'ai pas saisi. Un truc que j'ai pas saisi. Ah oui, Frost Breath, je lui ai appris à Garurumon. C'est pas mal, ça... Ça, comment? Bon non, attends, il sert à rien lui. On va mettre Beakmon. Non, c'est pas lui. Oh, quoique. Attends, mais je choisis mes attaques ou pas? Je comprends pas ce qui se passe. Je suis perdu en vrai. Je vous jure, je suis perdu. Oui, Frost Breath, ça fait tout le temps des coups critiques. C'est assez fou. Non, mais... Je fais quoi, moi? Je suis bloqué. Et Machouille. Ouais, mais Machouille, ça sert à rien si... Aïe, aïe, aïe. Bon, écoutez, je fais une petite coupe. Bon, après ce petit imprévu, parce qu'en plus, je suis remonté, je me suis fait défier par le deuxième. Oh, juste casse-pied. Donc, après ce petit imprévu, on peut y aller. Donc, je vais quand même juste vous montrer mon équipe. Donc, lui, je l'ai monté niveau 50. Il a pris donc Frost Breath, qui fait tout le temps des coups critiques. C'est bien. Franchement, c'est pas mal. Sinon, les autres attaques, il l'avait déjà. Et d'ailleurs, du coup, ça monte à 120 de puissance. Je crois que ça fait 2 fois ou 1,5 fois. Je sais plus, 90 ou 120. Donc, ça fait dans tous les cas une attaque pas mauvaise. Et puis, ça... Ah non, ça passe 100%. Bon, c'est pas grave. Growlmon qui est monté niveau 50. En fait, j'ai utilisé le Cherche VS pour faire mon entraînement à l'est de la ville. Donc, il y a des dresseurs. Je fais le Cherche VS. Je les ai affrontés plusieurs fois. Voilà. Rien de nouveau pour lui. Alors, lui est monté niveau 55. C'est mon seul niveau 55. Parce qu'il était vraiment fort avec double baff, dual shop. Il met vraiment beaucoup de monde KO. Et du coup, je l'ai augmenté assez facilement. Santarumon, l'augmenter de 1 ou 2 niveaux quand même. Pas d'attaque nouvelle, je crois. Mamemon, voilà, Ninja, c'était l'ancien Ninjamon qui a évolué niveau 50. Donc il ressemble, bon, on voit, c'est un peu le Pokémon combat humanoïde. Voilà, voilà, et il a gagné le type acier. Et je lui ai pris Bullet Punch. Et alors, j'ai un peu regretté, enfin, je me disais est-ce que c'est bien ou pas d'avoir remplacé Tranche Nuit. Voilà, c'était plus fort, mais en même temps. Là, je me disais, je suis de type acier, donc je sais pas. Je sais pas si c'était une bonne idée ou pas, mais j'ai enlevé Tranche Nuit et j'ai mis Bullet Punch à la place. Et voilà, et lui, que je pouvais pas entraîner, en fait, il avait rien contre qui entraîner, puis il n'y a rien à faire. Enfin, mince, bah, je suis entré. Enfin bon, c'était un peu compliqué. À l'intérieur, il n'y a rien ici. Ok. Qu'est-ce que c'était, une petite fille? Une voix. Pars ou tu vas mourir. Est-ce que c'était la petite fille qui nous a dit ça? Alors, bonjour. Bruce, ah oui, c'est vrai qu'elle est la team. Hey, Bruce a l'air plus en alerte que d'habitude. Je me demande s'il a peur des fantômes. Ah, la fille, c'était peut-être un fantôme, je sais pas. C'est verrouillé, je ne peux pas entrer. Ok, on vérifie, hein. Il y aura peut-être juste une truc. Ah bah non, c'est par là qu'il faut se diriger. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et en bas, il y a les chambres, une dernière chambre. La plupart des activités étranges qu'on a reportées à cet étage. Quoi? Mais la phrase n'est pas complète, non? Alors c'est moi qui ai mal traduit. Peut-être que c'est parce que il n'y a personne n'est resté ici assez longtemps dans cet endroit pour atteindre
pour atteindre l'étage du bas. Nous sommes ici depuis 3 minutes et rien ne s'est passé excepté ce brouillard étrange. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas juste un Fantominus ou un Motisma qui joue des tours à des personnes? Non, c'est plus que ça, bon sang. Et est-ce que vous n'avez pas vu une petite fille vers l'entrée? Non, j'ai pas vu. Non, rien. Qu'est-ce qui... c'est quoi le problème avec tous ces bols vides près de la porte d'entrée? Je ne sais pas. Je les mets dans la cuisine, mais quelqu'un ou quelque chose s'obstine à les mettre en bas sur le sol, de la même, chaque fois de la même disposition. Barek soupire. Je ne sais pas à quoi dire, dude. Enfin, mon gars, il n'y a rien qui se passe, quoi. C'est comme si nous étions des sorcières et que on n'est pas des sorcières et on n'a pas juste à traîner dans l'endroit et pour chercher des indices. That line was... Il n'y avait pas besoin de dire ça. Bon, peu importe. Et regardez, vous pouvez tous rester dans les chambres à l'étage du bas jusqu'à ce que quelque chose arrive. Parce que croyez-moi, ça arrivera. Je vais aller à l'étage dans les quartiers des capitaines. Bien, Bruce. Et de toute façon, il est dans le coin et il garde un œil attentif à ce qui se passe à cet étage. Donc je suppose que nous pouvons aller tranquillement à l'étage du bas, dans les chambres luxueuses. Très bien. Ouais, allez, c'est parti. Je ne sais pas, quelque chose ne va pas dans cet endroit, je le sens. Eh ben, disons que j'ai eu un peu de mal à traduire certains moments. Il faut que je... Des fois, je bug même sur les mots français. Il faut que je prenne mon temps, je suis tranquille. Ah voilà, c'était cette chambre. Enfin, c'est la mienne en tout cas. Bateau hanté, il s'appelle le bateau. Ah, quel rip-off, je sais, je connais pas le mot. Quelle folie, quel truc de dingue, je sais pas. Toi, est-ce que tu vois ça? À quel point c'est luxueux? Bah, c'est un vieux bateau hanté, donc... Ah, peu importe. Donc, Barrett sort une bouteille d'alcool. Allez, et alors, qu'est-ce que tu dis de... Ben, qu'est-ce que t'en dis du fait de faire partie de la team Dark Rising? Est-ce que c'est pas cool? C'est cool, je vous aime bien les gars, et même si vous êtes un peu bizarre parfois. Hé, tu n'as encore rien vu. Grandir à Unova, où tout est si brillant et les gens sont si pressés, c'est vraiment fou. Si les gens là-bas sont comme toi, je pense que je serai vite effrayé 24 heures après. Ah... après que tout ça soit fini, on prendra l'avion jusqu'à là-bas un jour. Pourquoi pas. Barrett a l'air d'aller bien, je pense que je vais aller voir Blake ensuite. Ok. Donc on vérifie si tout le monde va bien, donc là il y a Blake. Oh, avec Mew. Tout va bien, donc avec Mew. Tosh, c'est normal qu'il soit avec Mew ou pas? Enfin, je suis pas au courant, je me rappelle pas si on a su à un moment. Rien de suspect dans le coin qui se passe. Non, mais c'est quoi ce Pokémon? Mew. Il est venu me délivrer un message en provenance d'Arceus. Donc tu es capable de communiquer et d'échanger des messages avec le dieu des Pokémon aussi facilement? Oui. Et il m'a guidé à travers plusieurs régions afin de m'aider dans mes efforts pour battre Darugis. Mais pourquoi est-ce que Arceus ne s'occupe pas de battre Darugis lui-même? Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'un humain pour s'en occuper? Il y a une haute puissance que même Darugis... Non, il a une autre puissance haute que Darugis et que Arceus est en train de combattre autre part. Donc, il me fait confiance afin de stopper Darugis et j'ai peur que je ne puisse pas partager d'en dire plus que ça. Très bien, bon, ok. Je ne veux pas me mêler de tes affaires ou quoi que ce soit, mais Johanna a parlé de la femme d'Adrian. Son nom est Alcina. Nous avions une relation avant que je rencontre Johanna, mais c'est du passé. Johanna est mon présent et mon futur. C'est tout. Ok, je comprends. Bien, c'est devenu assez gênant. Enfin, ce sont ses pensées. C'est devenu assez gênant. Oui, je vais voir ce que Amaris fait. Amaris, du coup, est-ce que les portes se sont... Ah, voilà. Bonjour Amaris. Ah non, oui, c'est ça. Oh, Amaris, désolé, je ne savais pas que tu étais... Que tu n'étais pas habillé. Oh non. Non, ok, c'est amusant, il n'y a pas de souci. C'est juste une paire de collants, rien de particulier. Hein. Et puis tu es presque un adulte, n'est-ce pas? Oui. Donc tu ne devrais pas être aussi gêné que tu l'es maintenant, aussi rougissant. Ah, tellement amusant. Oui, donc je vais aller demander au capitaine de déverrouiller
une chambre du bas pour moi. Très bien. Fais attention de bien avoir deux lits comme moi. Et qu'est-ce que tu vas faire avec deux lits? Eh bien, tu les mets ensemble, bien sûr. À moins que tu veux dormir dans le mien, juste à côté de moi. je suis juste en train de te faire peur. Un fort bruit de glace, de verre, se fait entendre. Qu'est-ce que c'était que ça? Je ne sais pas. Bon, allez, on va aller vérifier. Je vais m'habiller et on se retrouve là. On se retrouve dehors. Ok. Et donc, eh bien, on est un petit coquin. On dirait pas, mais on est un petit coquin. Je pense qu'il faut aller en haut. Je sais pas trop. Est-ce qu'il est toujours là, Bruce? Ouais. Attends, là, il y a quelque chose ou pas? Peut-être par là. Ah oui, c'est, ça a l'air d'être là. Oh, c'est la fille. Oh, une ombre pitoyable perdue dans les ténèbres qui amène le tourment et la douleur aux autres. Oh, âme perdue. Qui sin, c'est le péché qui essaye de se repentir de ses péchés, je sais pas. Peut-être qu'il est temps de mourir. Mais de quoi tu parles? Je n'ai rien fait à personne. Ah bon? Menteur. Les vivants sont tous les mêmes. Vous êtes tous des êtres égoïstes. Vous blessez les autres et vous tuez juste pour satisfaire vos propres aspirations, vos propres objectifs. Je ferai la même chose à n'importe qui ose mettre le pied sur ce bateau. Tu es mort, tu es un fantôme. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe, ce qui t'est arrivé, mais personne sur ce bateau ne veut te blesser. Ah, le mensonge, on va dire, le fait de piéger quelqu'un, est une des pires caractéristiques de l'humanité. Tes mots n'ont aucune puissance ici. Je vais tuer chaque personne sur ce bateau, en commençant maintenant. Tosh, je viens juste de recevoir un bateau de Blake et Barrett. La puissance à l'étage a augmenté d'un coup. Fuis! Ok, ouais, c'est un peu flippant quand même. Donc en gros, tout ce qui se passait sur ce bateau, c'était à cause de cette fille. Ah, peut-être par là, il faut aller. C'est à cause... Oh non! C'est à cause de cette fille qui veut tuer les gens, je sais pas, la rage contre les humains. Je sais pas ce qui lui est arrivé, elle a dû être abandonnée, je sais pas, on va peut-être savoir. Mais où est-ce qu'elle est partie? Bon, on suit le chemin. Alors là, je vois qu'il y a Blake. Juste voir s'il y a rien d'autre à faire avant. Ouais, non, on va voir ce que nous dit Blake, de toute façon. Alors, ah, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été attaqué. Il s'en est pris... Ah non, il a emmené, donc la chose a emmené, il sait peut-être pas que c'est un fantôme de vieille fille, a emmené Bruce et Barrett au quartier des Capitaines Go. Ok, donc si c'est comme le bateau, je crois, le Saint-Anne, ça va être genre tout au bout, il y a un escalier, je pense. Ouais, là, genre on monte. Ouais, voilà, ici, je pense. Genre, je crois que c'était le truc du capitaine, en plus, il me semble, avant. Donc, fais voir, vous allez bien? Ok, ils me répondent pas. Je sais pas ce qui leur est arrivé. Mais qu'est-ce que... Bruce et le marin ont été bloqués contre le mur. Laissez Bruce et le marin, espèce de petit idiote. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ce n'est pas ce qu'ils m'ont fait, mais ce qu'ils ont fait aux autres. Laisse-les partir, ils n'ont rien fait. Est-ce que je devrais utiliser mes Pokémon pour l'attaquer? Elle n'est clairement pas humaine. Allez, vas-y. Non, attendez, donnez-moi une minute. Maintenant, tu vois? Si je ne suis pas, enfin si je n'accepte pas, si je ne suis pas complaisante, enfin, je sais plus comment on dit en gros, si elle n'accepte pas de coopérer, coopérante, je vais utiliser la force brute pour me répondre. Les vivants se fichent des autres, tu ne peux pas tous nous juger. Je peux juger ces deux-là. Ces deux sont coupables d'avoir coupables de meurtre. Bruce, est-ce que c'est vrai? Mais c'était comment on dit? La self-défense, enfin du... en gros, c'était pour se défendre. Ah, comment on dit? Déjà, il y a un autre mot un peu plus en mode français. Mais j'ai... Ouais, c'était du self-défense. Bref, je sais plus comment on dit en français. Ce gars allait tuer sa sœur. C'en est assez. Tu veux quelqu'un pour juger? Juge-moi, prends-moi à la place. Oh, je le ferai. Tes monstres sont si coupables d'avoir blessé des innocents. Je les tuerai en premier. Puis, à ton tour. Si tu veux quitter ce bateau vivant, tu vas devoir venir me voir, me rencontrer sur le dock. Alors, je vois souvent ce mot. Pour moi, c'est les quais. Ouais, ça va être les quais, je dirais.
Enfin, le quai du port un peu, enfin, le quai pas pour le train, mais le quai pour le bateau, je sais pas. Bref, Dianamon va punir tes monstres pour leurs crimes. Donc, elle aussi, elle doit avoir un Digimon. Et je te punirai toi pour les tiens. Ok. Bah attendez, on va voir du côté du coup de Blake, s'il est toujours là. Peut-être qu'il faut monter là où il y avait Blake. Est-ce qu'il y a toujours... Ok, il n'y a plus Blake. Donc on va monter là. Bateau hanté. Ouais, mais après, je sais pas s'il faut sortir. Je pense pas qu'il faille sortir. Ça va être un... Ça doit vouloir dire un autre truc que j'ai pas bien saisi. Oh, bonjour. Tu ne peux pas m'effrayer. Ok, moi ça me fait un peu peur quand même. Non, j'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien, les amis. Ah, il y a quelque chose ici. Ok. Bon, il y a tout le monde, on va en parler un peu tout le monde. Et toi, t'as fait quoi? Ok, il me parle pas. Personne me parle. Ok. Qu'est-ce qui se passe avec cette petite fille? Je suis prêt. Mais en premier, dis-moi comment tu veux mourir. Ah d'accord, c'est Tosh qui dit ça. Ok. Je me suis donné à moi-même le prénom de Neige, enfin de Snow. Parce que je vis depuis ici de... Enfin... Because I have long... Mais il manque un mot, non? Enfin, j'ai oublié depuis longtemps comment ma mère m'avait appelé. Je suis mort à cause de lui. C'était marqué bien Im, ouais, à cause de lui. Ah ok, et Snow montre du doigt le marin. Quoi? Mais ce n'est pas vrai. Je ne t'ai jamais vu avant. Je ne t'ai jamais vu de ma vie. Il y a 20 ans, ce bateau a été attaqué par un léviator enragé. Tout le monde s'est enfui pour aller en direction des bateaux, des canots de sauvetage. Inclus ma mère et moi. Cet homme m'a bousculé afin d'accéder au bateau, relâchant la main, enfin en gros elle est agrippée à la main de sa mère, relâchant cette accroche, voilà, et du coup elle a glissé, enfin elle tenait plus sa mère dans la main. Je suis mort en étant tué par un humain sans cœur qui ne s'est pas dérangé pour m'aider. Ils m'ont tous écrasé sans en avoir quelque chose à faire. Oui, Stomp, c'est écrasé parce qu'il y a une attaque de Pokémon qui s'appelle Stomp, c'est écrasement. Oui, mais les gens ont écrasé, t'es sérieux? Ah, mais oui, mais t'as raison, mais de les tuer, non, mais tu m'étonnes que t'aies la rage. Bon, t'as raison de les tuer, bon, c'est parce qu'on est dans un jeu et que c'est un fantôme, donc... voilà, j'encouragerai jamais le meurtre en vrai. Mais ça se comprend en tout cas qu'elle est vraiment une rage. J'ai passé les derniers 20 ans à regarder l'humanité traiter le monde et les autres comme de la shit, c'est de la merde quoi. Même si mes souvenirs de cette nuit-là sont vagues, je n'ai jamais oublié ton visage, en dépit de l'âge, de ton âge. Je vais te tuer doucement. Ouais, quand même, ce marin, je sais pas s'il faut le tuer, mais c'est vraiment un connard. Hein. d'avoir poussé comme ça une petite fille, c'est vraiment dégueulasse. Donc, lui, il mérite. Vas-y, je te laisse le tuer. Oh mon dieu. Barrel Blake. Le marin a tenté de s'enfuir. En plus, il s'enfuit, sans foirer. Mais Bruce l'attrape. Ah, cette petite bitch. Voilà, vous êtes sûrement jeune à me regarder, mais ceux qui sont bons en anglais, qui sont adultes, vous savez peut-être ce que ça veut dire. En gros, c'est une. C'est une fille, voilà, pas très sympa, quoi. Mais je ne dirai pas. Je ne resterai pas vulgaire. Je ne tomberai pas dans ce côté obscur. Bref, laissez-moi partir. Elle a essayé de vous tuer aussi, vous vous souvenez? Snow, je suis vraiment désolé à propos de ce qui est arrivé. Mais je ne peux pas te laisser tuer cet homme. Deux justes ne font pas un faux. Ouais, deux justes ne font pas un faux, je comprends pas très bien. Je suis désolé. Eh bien alors tu mourras avec lui, comme tes Pokémon. Dianamon, viens. Un souffle glacial. On sent un souffle glacial dans l'air. C'est la vengeance. Donc, je suis... Enfin, je vais t'emmener avec ce bateau en enfer. Ok. Eh bien écoutez, moi j'aurais bien laissé qu'il... Je l'aurais bien laissé attraper cet homme. Hein. Ah, il en a 6. Je croyais que t'appelais juste... Oh, je croyais que t'appelais juste Bidule là. Ok. Il n'y a pas de souci. Rigimons... Ah, bon, parce qu'on n'a pas son nom, mais pourtant je crois que c'était... Je croyais que c'était... Snow. Bon, écoutez, c'est pas grave. Allez, ce serait bien qu'on augmente notre attaque. Je sais que cette attaque peut augmenter l'attaque. Ouh, ça lui baisse la défense. Ah non, c'est ça que ça fait alors. C'était une, ça doit être une autre attaque qui
qui augmente l'attaque. Oh, bien l'animation, enfin le fond de cascade, vraiment joli, je trouve. Ok, en tout cas, est-ce qu'on craint la glace en tant que type eau? Je me demande. Ouais, on craint la glace. Bon, on prend 9 PV, ça va. Et il prend des restes. Ok, il prend des restes. Je sais pas si ce sera suffisant. Je vais quand même baisser la défense. Ok, très bien. On s'en est déjà occupé d'un Pokémon. Donc, il disait entre 55 et 60. Au final, je pense qu'on peut pas s'en occuper. Alors là, c'est Momartic, si je dis pas de bêtises. On va envoyer Santarumon. Je pense que ce sera pas trop un problème parce qu'on a vraiment lui au niveau attaque roche. Ouais, y a pas trop de soucis à se faire. Rock Blast, normalement, ça devrait aller, même les Laser Glass. Eh, quand même. Fait quand même mal, dis donc. Oh non! Ah, mais je vais mourir, moi, attends. Non, mais en vrai, je vais perdre. Mais pourquoi il fait pas plus de dégâts que ça? C'est étrange. Pourtant, t'es un bon Pokémon, t'es roche, il est glace. Je suis pas bien saisi. Thunderbolt, ok. Pourquoi il fait. Oh, le con. C'est pas grave. On va continuer d'attaquer. Ah oui, moi qui pensais que ça allait être plus facile. Mais je suis un peu déçu. Ah mince. Mince. Je veux quand même qu'il soit. Je veux quand même monter son honneur, quoi. Je veux pas qu'il se fasse battre par. D'accord, il a toutes les attaques qu'il faut. Et je suis confus. Je suis paralysé, confus, frappé par la tempête ça. Enfin, par la tempête ça. Par la tempête de gel, de grêle. C'est la fête. Franchement, je m'éclate. Allez, confus. Oh non! Bon, écoute, Santarumon. Ouais, y'a rien à faire avec toi. Ah, mais parce que peut-être qu'avec la roche, la grêle, justement, la grêle, ça fait quelque chose. Je sais pas trop. Bon, on va passer à Growlmon. On a Growlmon aussi qui peut faire quelque chose. Bah tiens, là, on a Machouille ou Flame Burst. Je pense que Flame Burst, ça devrait être pas mal. On va voir. Oh non! C'est pas vrai! Mais ça c'est le genre de truc, je perds des PV pour rien après, parce que ça va en longueur. Je me dis peut-être que ma chouille c'est mieux, parce que genre tout ce qui est fort face à la glace baisse à mon avis quand il y a de la grêle, justement. Du coup, j'aurais peut-être dû faire ma chouille dès le début. Voilà, donc on s'en occupait. Très bonne chose. Oh, méga. Méga Blizzardois. Intéressant. Ah ouais, c'est bien le vrai, en plus c'est vrai qu'il existe vraiment un méga Blizzardois. Ah, c'est compliqué quand même. On va faire le classique. Le classique bidule là. Ensuite. Ah, il y a les restes, mais ils ont tous les restes. En plus ça lui redonne vraiment tout. Alors on va redonner ça à Growlmon, parce qu'en plus comme il est glace, plante, il peut bien craindre la glace. Enfin le feu je veux dire. Donc on va remettre Growlmon. J'espère qu'il est plus rapide, je sais pas trop. Mais bon, je suis pas sûr de le mettre KO. Ah, mais il m'agace avec son reste. C'est bon, déjà on est plus rapide. Bien. Si, on fait quand même des dégâts. Giga Sensus, ça devrait aller. Ok, le méga Blizzardois. Ça devrait être bye bye là, ça devrait être bon. Ok, très bien. Et oui, on n'a pas encore utilisé en plus notre nouveau Pokémon Acier Combat. Eh oui, on a encore Mega Oniglali. Bon, on va le laisser. On a encore de la marge. Ok. Et puis, on va continuer avec Flame Burst. Ah, il attaque en premier. Oh, là. C'est bon. Ok, on a fait pas mal de dégâts. Bon, je suis KO. C'est pas très, très grave. Ok. Là, on va mettre Mamemon. Et on va partir sur un Bullet Punch. Je pense que ça devrait être suffisant. Ok, très bien. Si, rien que pour ça, je regrette pas d'avoir mis Bullet Punch. Zudomon. Hey, ok, il en reste deux. Je sais pas ce que c'est ce Pokémon. Enfin, ce Digimon, on l'a jamais vu encore. J'imagine qu'il doit être glace aussi, parce que il craint pas. Donc, il doit être glace. On va partir sur un Force Palm. Voilà, c'est au moins faire quelques dégâts avant peut-être d'achever avec un Bullet Punch. Séisme. Ouais, ça craint par contre. Ok, ça va. Ça va. Ah, il reste toujours les restes. On va continuer avec Force Palm. Avec un peu de chance, ça peut le paralyser. Non, Crabhammer. Ok, c'est bon normalement avec le prochain Force Palm. Enfin, j'oublie tout le temps. Je dis souvent les noms en anglais parce que les attaques, je me rappelle rarement des noms français. Du coup, voilà. 244. Ok, et Dianamon. Ok, on va le laisser. On va. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça?
Normalement, on résiste et on va faire un bullet punch, hein, histoire de faire quelques dégâts quand même avant de l'enlever. Il est. Je sais pas, attends. Ça a pas mis super efficace. Ouais, bon, on va voir. Avec Beakman, on devrait réussir à faire quelque chose de pas trop mal, je pense. Alors, il est peut-être psy. On va tenter Machouille. Ça lui baisse la défense. Ça, c'est. Ouh, il a raté ça, c'est pas mal. Ok, c'est pas super efficace. On va tenter le double baf. Hein. Ça, c'est toujours ce qu'il y a de mieux à faire. Et voilà. On a battu son Dianamon qui m'avait l'air d'être son Pokémon fort quand même. Parce qu'elle l'avait appelé. Je sais pas trop ce qu'elle avait fait. Elle l'avait invoqué, même, je dirais. En tout cas, c'est vraiment terrible parce que c'est une jolie jeune fille. Pourquoi cet homme est horrible, Snow? Non, en vrai, c'est vraiment terrible parce que ça se comprend qu'il y ait de la haine, mais tu peux pas la laisser garder sa haine. Je sais pas ce qu'il va lui dire, Snow. Ce qu'a fait cet homme était impardonnable. Je le sais. Mais ton âme ne sera jamais capable de reposer en paix jusqu'à que tu aies accepté ce qui est arrivé et que tu trouves le bonheur dans l'après-vie. Tosh a raison. Les gens commettent des choses horribles tous les jours. Mais la vie est plus que ça. C'est blessant d'être vivant. Et c'est une honte que tu n'aies pas vécu plus longtemps afin de comprendre et d'apprécier ta vie, quoi, de t'amuser. Je suis désolé. Je sais. Dianamon m'a dit la même chose. Il est resté avec moi. By me, even for it knew you. Il est resté avec moi même si il savait que j'avais tort. Je suis désolé, vraiment, à vous tous. Et à toi. Je te hante depuis cette nuit. Et quand tu as déménagé à Technicity pour un job près de ce bateau, je voulais te faire payer pour tous tes péchés. Non mais t'es sérieux? Le marin essaye de frapper Snow, mais Barrett le frappe dans le visage. Mais quel enfoiré, mais il sait ce qu'il a fait. En plus, elle s'est excusée. Et elle s'est excusée, il essaye de la frapper, mais. Oh là là, mais laisse-le. Ah non, faut pas laisser le tuer, parce qu'après, elle pourra pas reposer en paix, mais. Oh là là, mais Barrett, merci de lui avoir mis un bon point dans la figure. Tu vas payer, mon ami. Fais-moi confiance. J'y verrai moi-même. Ah, et moi aussi. Et Blake et Bruce acquiescent. Tosh, merci. Je vais laisser Dianamon libre afin qu'elle puisse explorer la région. Trouve Dianamon et entraîne-le. Je le ferai. C'est un au revoir maintenant. Peut-être qu'un jour je serai réincarné en tant que magnifique reine des neiges qui dresse des dragons légendaires. Je les ai toujours aimés. Tosh sourit. Au revoir. Ouh, c'est la fin de la bêta 1. Vous pouvez maintenant attraper Volcanion au chemin Valley. Merci d'avoir joué. Ok, on a fini la bêta 1. Ah, mais je sais pas où c'est, moi, la Dragon Valley. En plus, il n'y a pas de carte dans ce jeu. Non, attends, faut pas faire ça. Pour sortir, il faut passer par là. En tout cas, la fin de la bêta 1. Ok. Bah, je sais que ça allait pas tarder à s'arrêter, mais. Mais attendez, mais. Mais je peux pas sortir du bateau. Ah, si. Ok, on va. J'aimerais bien aller. Valley Pies. Ah, c'est à droite, à gauche. On va jeter un œil. Mais du coup, il faut que je trouve Dianamon. Elle n'est pas venue dans mon équipe. Je vais vérifier quand même. Elle n'est pas venue dans mon équipe, on est d'accord. Hein. On va voir. On va voir ça. Move Monster. Non. Non, ça c'est Angemon. Ouais. Non, elle n'est pas dans notre équipe. Ok. Donc écoutez, on va voir Volcanion, pourquoi pas l'attraper. C'est pas un Digimon, mais ça reste quelque chose de pas mal quand même. Donc on va mettre des repousses. Et des cadeaux, parfait, hyper potion. Donc, ah oui, j'en ai pas parlé, mais je ferai peut-être une vidéo pour en parler. Oh, il est là. Je ferai peut-être une vidéo pour en parler, mais la bêta 2 de Dark Rising World Collide va sortir en octobre, donc il y aura une pause dans ce let's play, mais ça reviendra vite. Enfin, vite. Sauf si je lance Uranium, et à ce moment-là, peut-être que j'attendrai un petit peu avant de faire revenir World Collide, je ne sais pas trop. On va tenter en tout cas de l'attraper, ça risque de pas être facile. J'ai quoi comme ball? J'ai des Pokéballs, donc ce sera même impossible. Donc on va acheter quelques balls quand même. Des Super Balls maximum.
Oh là là, non mais j'y crois pas. Bon, allez, c'est pas trop cher, 99, c'est 59 000. Donc il nous reste encore 33 000. Donc on va quand même faire comme ça. Ouais, mais j'ai aucun moyen de mettre des problèmes de statut. Bon, en tout cas, vous voyez comment on capture Volcanion. Moi, je pense pas, enfin, je pense pas réussir à capturer. Je vais pas utiliser non plus mes 99 Super Ball. Mais on va tenter. On va tenter. Et puis, si au bout de 20 balls, je vois que j'ai pas réussi à attraper, tant pis, hein, je vais pas passer. Voilà, l'épisode, je le terminerai au bout de 35 minutes environ. Allez, oh, casse pas les pieds. Pff, oh non, mais juste casse-pied. En plus, je suis plus rapide. Enfin, je suis plus un meilleur niveau, je comprends pas. C'est bon, je peux fuir. Bon, on va retourner les soigner parce que ça me stresse. J'ai fait exprès de les soigner, là, ça me stresse d'en avoir un. Ah, pousse-toi. Mais pousse-toi! Oh là là, la femme là qui se mettait devant moi. Voilà, ça me stresse d'avoir un Pokémon blessé. Donc maintenant, on retourne en direction de Volcanion. Et puis voilà, je vais le mettre devant juste à commande, comme ça je vais pas avoir de Pokémon sauvage. Mais ouais, même 20, 10 Super Ball. Mais attends, mais j'ai pas mis de repousse. Ouais, il a dû s'enlever le repousse, je suppose. Bon, on est presque. Voilà, non, il reste encore quelques herbes. Donc on va, voilà, mettre super repousse. Et je me demande ce que c'est cet endroit. Je sais pas si on peut y entrer. Ah non, on peut pas y entrer. Il y a un étrange rocher. Bon, on pourra sûrement y aller plus tard, à mon avis. La suite de la bêta 2, ça se trouve par ici, je sais pas trop. N'entrez pas dans cette cave. Ok, bon allez, Volcanion. Wow, qui es-tu? C'est la fin de la ligne, gamin. Tu ne peux pas aller plus loin pour le moment. Tu peux parler? Ce Pokémon a adapté son langage, apparemment. Je suis ici depuis assez longtemps pour apprendre vos modes de discours. Bon allez, mettons ça de côté et parlons un peu d'autre chose. Je t'ai regardé depuis les montagnes, depuis que tu as battu ce gars chauve, donc il parle des Bully, ouais, des sbires chauves, là, habillés en bleu, au pont Chrome. J'aimais ton style et j'aimerais te rejoindre dans ta quête si tu es assez fort pour me capturer. Dans une de ces balles que tu as. Très bien, bien sûr. Ne sois pas trop... Calme-toi, gamin, ce ne sera pas facile. Tu vois cette cave, après, on va se combattre à l'intérieur. Ne me fais pas attendre. Intéressant. Et là, je peux entrer. Ok. Volcanion Cave. Ok. D'accord. 60. Oh, c'est pas mal, ça, 60. Bah écoute, on va l'affaiblir, mais j'ai pas... Le problème, c'est quoi? Je peux pas l'affaiblir au niveau des statues. Ça, c'est un peu embêtant. Ouais, on va refaire double baf. Ok, il va me mettre KO. Je sais pas comment. J'ai vraiment rien, hein. Juste être sûr, j'ai vraiment rien. Mince. Alors, c'est pas celui que je voulais envoyer, mais c'est pas très grave. Ah, mais là, je vais mettre KO. Flame Burst, est-ce que c'est mes KO? Bon, on va tenter. Première ball. Première super ball. Une, deux, trois. Ah, purée. Oh, on y était presque. Earth Power, ouais, pour contre, ils craignent tous le sol, j'ai l'impression, mon équipe. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Garumon, est-ce que... Peut-être que Iron Tail... Attends, je vais sauvegarder quand même au cas où, mais je pense qu'Iron Tail ne le met pas KO. À mon avis. Earth Power, je crains pas trop, normalement. Bon, ouais, ça me fait quand même mal, mais... Ok, oui. Ça fait quasiment rien. D'accord. Bon, on va tenter notre Super Bowl. Allez. Une. 2, 3, Ah, il est peut-être pas si difficile à attraper, je sais pas. Vidramon, allez, c'est parti. Est-ce que Bluff, ça peut lui faire des dégâts? Je veux vraiment essayer de l'affaiblir au maximum. Est-ce que Bluff, ça le tue? Ok, là on est pas mal. Oh purée, j'ai perdu. Oh, désolé, je me suis fait super peur. Je me suis dit non, ne le mets pas KO. Bon, après, au pire, ça n'a pas été la fin du monde, mais ouais, calme-toi. En tout cas, Joe, calme-toi. Une, deux. Ah, dommage. Par contre, ça me stresse parce que j'ai gâché un petit tour. Bon, je suis pas à un tour près, mais comment dire, j'ai fait deux bluffs et du coup, je me suis pris des dégâts pour rien alors que j'aurais pu avoir un essai supplémentaire de Super Bowl. Donc voilà, je reviens juste en arrière. Une. Ah, il m'a l'air d'être moins se laisser attraper d'un coup. Mais bon, je peux rien faire, j'ai rien pour paralyser ou pour faire quoi que ce soit. Une, deux, trois. Yes! On l'a attrapé, Volcanion. Ça, c'est pas mal.
Ça, c'est pas mal du tout. Non, on va pas lui donner de surnom, mais... Ah, ça fait plaisir. Écoutez, en attendant peut-être de trouver le prochain Digimon, je sais pas... On va le mettre dans notre équipe. Dans notre équipe, à la place de Vidramon, parce que Vidramon... Bon, je peux pas faire grand chose avec lui, j'arrive pas à l'entraîner. Et puis voilà, j'ai envie d'un peu changer. C'est vrai que je me suis dit, je vais faire une attaque, une équipe entièrement de Digimon. Mais bon, voilà, rien n'empêche de quand même mettre un petit Pokémon si j'ai envie. En plus, il est niveau 60, donc c'est parfait. Et voilà, on échange. Voilà, en tout cas, on va voir, on va avoir 2 secondes. Un peu sa tête, mais ouais, mince, on va se soigner. Et je pense que quand on reprendra avec la bêta 2, on continuera un petit peu avec lui. Après, voilà, l'équipe est pas définitive, n'importe lequel de Digimon présent peut changer. Sauf Hackmon, j'aimerais vraiment le garder jusqu'au bout parce que c'est le premier qu'on a. Et puis, il nous suit, il nous parle des fois. Donc, on va pas l'enlever, enfin, ça paraît très illogique. Et puis, bon, voilà, Volcanion, il va rester peut-être un petit peu, jusqu'à que je trouve peut-être un autre pour le remplacer. Bref, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis de manière plus générale, bon, c'est pas la fin, mais merci d'avoir suivi en tout cas cette première partie de Let's Play sur Pokémon Dark Rising Origins Worlds Destroyed. Vous étiez quand même assez nombreux, c'est vrai que c'est la première fois que je faisais un Let's Play où vraiment les Pokémon n'étaient pas au centre. Enfin, c'est un jeu Pokémon, il y avait des Pokémon, mais vraiment le cœur du jeu, ça reste les Digimon. Et moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai découvert les Digimon, je connaissais pas trop, enfin je connaissais de nom, il y en a 2-3 de vues, je les avais déjà vus, mais j'ai vraiment quand même découvert les Digimon, et du coup j'ai vraiment apprécié ce jeu, et bon, il est pas fini, et c'est pour ça que j'ai hâte que la bêta 2 sorte. En attendant, de toute façon, on va démarrer Uranium, Pokémon Uranium. Alors normalement, cette vidéo sort le lundi 19 septembre, sauf que je vais pas faire démarrer Uranium un mardi, mercredi ou jeudi. Non, généralement, je crois que j'ai tout le temps fait ça, il me semble. Les premiers épisodes de Let's Play, les premiers épisodes officiels, hein, je parle pas des vidéos découvertes. Les premiers épisodes de Let's Play, généralement, je le fais le samedi. Parce que je me dis, c'est là où il y a le plus de monde de dispo. Et puis voilà, c'est mieux, ça fait plus. Ça fait moins, oh, l'épisode au milieu de la semaine que je fais à la chaîne. Voilà, non, je sais pas, j'aime bien l'idée de commencer un samedi. Donc, samedi, donc on sera le 24. Vous aurez un épisode, normalement, le premier épisode officiel de Pokémon Uranium. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cette première partie de Let's Play sur Dark Rising Origins World Collide. Après, si je me souviens bien, la date de sortie de la bêta 2, c'est le 10 octobre. Donc il y a encore un bon mois. Est-ce que d'ici là, il y a un autre Let's Play qui se terminera? Je sais pas. Insurgents, il me semble que la bêta n'est pas très loin de la fin de la bêta actuelle. On verra. Mais sinon voilà, on attendra quand même qu'un autre let's play qui se finisse avant de reprendre Dark Rising Origins World Collide. Mais voilà, en tout cas, merci à tous encore une fois, j'arrête de blablater. Merci à tous, je re-sauvegarde, je sais plus si j'ai sauvegardé. Merci à tous. Et puis voilà, on se donne rendez-vous pour les prochains jours où il y aura toujours des vidéos. Et puis pour ce week-end, pour ceux qui sont impatients de voir Uranium, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont impatients. Moi aussi, je suis vraiment impatient. Voilà, bon, c'est fini mon blabla. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt tout le monde. Bisous, bisous, bye.